Salut les gaufrettes! Qu'allons-nous bien pouvoir faire aujourd'hui? Que pensez-vous si on commençait à se préparer pour Halloween? On a déjà fait un gâteau cimetière, un gâteau tête de mort, une araignée, des doigts de sorcière, etc. Aujourd'hui, penchons-nous sur le légume phare d'Halloween, la courge. Et je vous ajoute quelques petites idées sur le thème. Ça vous va? Découvrons ensemble avec le jeu de la semaine! Lavage de main et go cuisine! Pour le cake, il faudra 400 g de chair de courge coupée en dés, 150 g de dés de jambon, 3 œufs, 100 g de farine, 100 g de fromage râpé, 100 ml de lait, 60 g de beurre, un demi-sachet de levure chimique, du sel et du poivre. Je plonge la courge dans une casserole d'eau bouillante. Une fois cuite, je l'égoutte et la réduis en purée. Je fais fondre le beurre au micro-ondes. Dans un cul de poule, je verse le beurre et les œufs. Je fouette énergiquement. J'incorpore la farine, le lait, la levure, le sel et le poivre. J'ajoute la purée, le fromage, le jambon et mélange bien. Je verse dans un moule à cake et ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant 45 minutes. Passons aux idées apéro. Il faudra du surimi, des bretzels en stick, de la ciboulette, des knacky cocktails, des olives noires, des œufs durs, de la mayonnaise et du ketchup. Je coupe le surimi en deux et coupe la moitié de chaque morceau en lamelles. Je plante l'extrémité du bretzel au milieu. J'attache chaque balai avec la ciboulette. Pour les poulpes sanglants, je fais cuire les knacky comme indiqué sur la boîte. Sur la moitié de chaque knacky, je coupe des lamelles. Avec le stylo alimentaire, je fais des yeux et dépose les poulpes dans du ketchup. Pour les nids araignées, je coupe les œufs durs en deux et récupère le jaune. Je mélange les œufs avec la mayonnaise et dépose 2-3 cuillères à café dans les blancs. Avec les olives, je forme une araignée par-dessus les jaunes, tête, corps et pattes.
Eh bien voilà, c'est rigolo et ludique. Facilement réalisable avec des enfants. Alors n'hésitez pas à partager ce moment avec eux. Il est l'heure de se quitter. On se retrouve dans 2 semaines. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo.